Là, il y avait aussi un vers dont je ne connais pas l'auteur, et je n'ai pas vu l'auteur dans le livre où j'ai vu le vers. Hein. Ce vers est cité dans le livre appelé Djamir ibn Mishri. Le Djamir ibn Mishri. Un soufi dit Law anni zawt bila hijabin, la tamtul khalaif ajmaina, lakin al hijab latifu manan. Il a dit, si je me montre sans voile, je rendrai orpheline toute la créature. Mais le voile a une signification subtile qui ravive les cœurs des amoureux. Il a dit, si je me montre sans voile, je rendrai orpheline toute la créature. Mais le voile a une signification subtile qui ravive les cœurs des amoureux. Quand on parle d'amoureux, c'est pas Ablaye Tchéi, c'est pas les amoureux. On parle pas d'amour profane là. Là, c'est pas d'amour profane, mais d'amour sacré. L'amour qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Envers Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? C'est cet amour que Rabi'at Adawiyya faisait allusion lorsqu'il disait une nuit. Actuellement, chaque amant se rapproche de sa bien-aimée. Et moi, je n'ai qu'Allah comme bien-aimé. Donc, je vais m'approcher de lui. Elle se lève et passe toute la nuit à prier. Je ne sais pas si Koura Faye désire ses entendements ou bien. Je pense que Koura, elle passe ses nuits à prier ou bien. Ah, mais j'espère qu'elle ne vous empêche pas de prier aussi. Ou bien de faire vous. N'est-ce pas? Il a dit, je ne sais pas. D'abord, il faut noter que ce vers, à l'instar du vers que nous venons de commenter précédemment, en réalité, le véritable auteur ne sont pas les soufis qui les a écrits. Vous voyez bien, ce ne sont pas les soufis qui les a écrits. Pourquoi? Ou bien qui est le véritable auteur de ces vers? Si c'était un examen, tu pourrais avoir la moindre. Mais je vous. Hein? Ilham, ça provient de qui? Donc, en réalité, c'est Allah qui est le véritable auteur, qui est le véritable auteur de ces vers. Pourquoi? Parce que pour le vers que nous venons de commenter précédemment, là, vous voyez que Cheikh Liane, en commentant ce vers, il parle d'Allah qui s'irradie par l'intimisme de son essence de l'unicité qui s'irradie dans l'univers. Donc, vous voyez donc, celui qu'on a vu sans le voir, c'est qui? C'était qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui était vu sans être vu. De la même manière aussi, dans ce vers, il dit, si je me montre sans voile, je rends offline toutes les créatures. Donc, celui qui peut se montrer, qui a la capacité de faire des manifestations de Tejali, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on est habitué à voir des soufis en extase transmettre des messages émanant d'une autre présence. On a l'habitude de voir des soufis en extase qui transmettent des messages émanant d'une autre présence. C'est le cas de Seyyid Baynes, lorsqu'il disait « Fala arif illa babi wa arifun » ou « Dirwaska li khamiturum bi faydati ». Un jour, Seyyid Baynes avait dit « Nul ne peut être gnostique sans se présenter devant ma porte ». C'est moi qui succule en abreuvant tous les initiés, tous les anges. C'est moi qui succule en les abreuvant. Et lorsqu'il se fut remis, il a dit, non, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Cheikh Baye. Les anges demandaient à Baye. Seigneur Baynes a dit, Fala arif la Baye wa arifun, ou diwaska li khamutoum bi faydati. Il a dit que, en réalité, vous êtes
l'auteur de ce discours. Et Baye a dit, effectivement, c'est moi qui ai dit ça. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une présence peut utiliser une autre présence dans l'optique de transmettre un message au chasse. N'est-ce pas? Donc là, c'est la présence allahique qui s'est manifestée dans la bouche de ces soufis pour émettre un message aux sages. Et les sages sauront que le gars n'est pas le véritable auteur, mais le véritable auteur de ces vers ou de ces vers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah qui a dit « Wallahu anizhahtu bila hijabin, si un monde sans voile, les temps de l'Khalaïk Ajmaïna, je rendrai orpheline toutes les créatures. Mais le voile a une signification subtile qui ravive le cœur des amoureux. Donc, vous savez qu'Allah, lorsqu'il se manifeste, il se manifeste sur ses créatures. Il se manifeste sur ses créatures. Et ces créatures ont une double posture. Ces créatures sont à la fois les voiles qui empêchent les profanes d'apercevoir le divin, d'avoir une idée de lui. Donc ces voiles sont que ces créatures. Mais quant aux gnostiques, aux initiés, ces voiles sont les écrans à travers lesquels ils aperçoivent le divin. Donc Allah, en se manifestant, il se manifeste dans mais aussi se voile au même moment. Donc toute manifestation est aussi un voilement. Donc toute manifestation est aussi un voilement. Voilement pour les profanes et manifestation pour les gnostiques. N'est-ce pas? Alors, mais d'autre part aussi, il faut savoir que lorsque qu'Allah se manifeste, parce que on peut considérer qu'il y a deux pôles. Le pôle de l'incréé et le pôle du créé. Donc, lorsque le principe se manifeste, là, qualitativement, il s'éloigne de l'incréé, mais il se rapproche du créé. Donc, pour se rendre plus accessible, le principe se voile pour se manifester aux humains. Je ne sais pas s'ils ont fait comprendre, mais... Hassan, c'est clair. Donc, ça veut dire que donc, pour se rapprocher des créatures, ou bien du créé, il faut qu'on s'éloigne de l'incréé. Pour se montrer au créé, il faut qu'on se dissimule, ou bien qu'on se voile face au créé. Face à l'incréé, autant pas, face à l'incréé. Donc, vous voyez qu'on a un paradoxe. Et le rapport est aussi dialectique. On a un rapport dialectique, paradoxal et déroutant. La raison pour laquelle dans mon livre intitulé Miroir, j'ai dit le principe de théophanie implique un mouvement dialectique, paradoxal et déroutant. Afin de se manifester, Allah doit se cacher. Cette dissimulation conditionne l'existence des paritions. La manifestation engendre la dissimulation et la dissimulation engendre la manifestation. Ainsi, Allah se révèle par ce qu'il le cache et se cache dans ce qu'il le révèle. Ça veut tout dire. Donc tout cela, c'est pour résumer ce que je viens de dire sur comment s'opère la manifestation afin d'être visible ou d'être perceptible par ces créatures. Allah se voile d'une part à travers ces mêmes créatures, mais aussi d'autre part, il se voile par rapport au principe, par rapport au pôle de l'incréé, au pôle du créé. Il faut que la chose se voile pour se manifester. Donc, ce qu'il faut retenir là, ici, c'est que cet illogisme est une miséricorde allahique. C'est une miséricorde. Ce qui semble être un paradoxe est une miséricorde. Car si tel n'était pas le cas, personne ne pourrait accéder à Allah subhanahu wa ta'ala, car vous savez que l'essence Allah est inaccessible, inconnaissable, indéfinissable, incernable. Wallahu yuhituna bihi ilman, comme dit le Coran, on ne peut pas la cerner par la science. Donc c'est une miséricorde si Allah se manifeste
et qui nous sont accessibles à travers ces créatures. Là, c'est une miséricorde, c'est la raison pour laquelle il a dit que s'ils ont été manifestés sans voile, car c'est impossible que là se manifeste sans voile, c'est impossible. Car toute la créature aurait, si Allah s'était manifesté sans voile, toute la créature aurait disparu. Et c'est ce qui explique le fait que dans les Allah Masali, on a toujours Wasalim, sauf dans Salat Fatih. Et on reviendra un jour sur le fait que pourquoi il y a Salim dans Jawad Kamal et dans Salat Fatih, il n'y a pas de Salim. Et le Salim là, c'est l'élément stabilisateur de la théophanie. Le Salim, c'est l'élément stabilisateur de la théophanie. Car n'eût été ce Salim-là, les créatures n'auraient pas la capacité de supporter la théophanie, la manifestation allahique. Donc c'est un élément stabilisateur ou un élément réfrigérant. C'est comme les ce qui refroidit les processeurs de vos ordinateurs. Là. Donc, c'est le Salim. Donc, à travers cette manifestation, dans ces créatures, qui sont des voiles d'une part, donc là, Allah nous a, cette miséricorde qu'Allah nous a fait. Et il dit que, voilà que les hijabs, mais les voiles, ou bien le voile a une signification subtile qui ravive les cœurs des amoureux. Quand il y a des anges, il y a des amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont prêts à tout abandonner, à tout laisser derrière pour accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou qui sont prêts à dépenser toutes leurs calories pour accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah était resté dans son état essentiel, et vous savez qu'il est inaccessible dans ce cadre, il est inaccessible. Donc ces anges vont périr, vont se décarcasser jusqu'à la fin de leur vie. Mais ils n'ont jamais qu'un gain de cause. Et Allah, pour faciliter la chose à ses anges, c'est manifester ses créatures. Et ces créatures vont consommer maintenant les miroirs qui nous permettent d'apercevoir le Seigneur sous divers prismes. Donc, du coup, c'est ce qui fait dire à Allah subhanahu wa ta'ala, par la bouche de ce soufi, que le voile a une signification subtile qui ravive les cœurs des amoureux et les amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. En contemplant Allah à travers l'ensemble de ces créatures, vraiment, ils ont la gaieté de leur cœur. Ils ont ce qu'ils ont voulu. C'est ce qu'on appelle l'accès à l'essence allahique. Mais ce n'est pas l'accès direct à l'essence allahique, mais l'accès à l'essence allahique par l'entremise des créatures. J'espère que vous pouvez comprendre. On peut arrêter là le cours, inchallah. Serigne Bigno, il a été mon. Serigne Bigno, il a été mon. Serigne Bigno, il a été mon. Allah, 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 Allah. Sangue Bigno, il est mon. Bigno, t'es l'autre. Jochman le roui. Say, Manu, Dieu, Abato. Bilaï, Wallaï. Sidi para, 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 Sidi para,